Est-ce est que, que ça, ça veut dire aussi que la vie des écrivains, la biographie des écrivains, euh, est aussi importante que l'œuvre, pour vous Disons que la biographie euh, se mélange avec euh, l'œuvre en même temps, parce que chez Marguerite, par exemple, ses euh, <laughs> silences étaient déjà la deuxième écriture. Vous y avait une phrase, le regard, le coup de rentrer le col roulé, et le ton. C'est beau parce que vous l'appelez encore Marguerite. Oui, comme Marguerite. si elle était là. Oui, comme si vous l'aviez quittée Mais hier est, soir. Elle est, elle est toujours là. C'est vrai qu'on a, on ne peut pas, se, on ne peut pas s'empêcher d'écouter sa voix à travers ses mots. Moi, j'ai entendu. D'ailleurs, c'est peut-être elle qui m'a donné une certaine éducation de la lecture. J'étais curieux et boulimique surtout. Je voulais apprendre tout. Je voulais tout lire. Et puis. Euh, mais c'est pour cette raison que je lis très lentement. Mais après, je prends et ça circule dans, dans je ma vous tête. Vous voyez oui. ici avec Marguerite, oui. levant le doigt, elle sourit. Il y a des feuilles devant vous. Que lisez-vous sur cette photo Eh bien, il y a une chose que je lui avais donnée. D'ailleurs, ça, c'était dans le camion. Et le camion, avais... c'est le film qu'elle a écrit pour vous. Voilà, qu'elle avait écrit. la euh, 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 enfin, c'est le dernier film qu'elle a fait, je crois. Et là, je lui avais. Elle m'avait dit tiens, lis ça, puis viens demain à 7 heures. Et je vois le camion. Et c'était une femme qui était communiste et qui avait perdu la mémoire. Bon, comme ouais. beaucoup de gens à cette époque, d'ailleurs, même à l'habiter au Saint-Benoît. Et quand on lit la, la biographie de. Qu'est-ce que j'ai lu de. à oh, cet homme. Euh... Il n'y a pas longtemps, là, il y a qui a 100 ans, là, comment il s'appelle, euh, qui a des yeux de ça, fait de la... On vient de fêter, là, de... Euh, attendez, il y a deux, deux personnes qui ont à peu près le même nom. C'est un type qui parle beaucoup de lui, et qui parle de ses 100 années, euh, qui est intéressant, mais très sur lui. Et il allait souvent dans la maison de Marguerite, et j'ai lu dans son truc qui... où il y avait son... un mari qui était Dionis Mascolo. Hein quand il a eu un enfant avec, qu'elle qu a appelé Outa, et, et donc euh, ça me racontait cette histoire de cette femme dans le camion euh, qui se perd dans les bois. Et je lui ai dit que mon père avait une, une femme dans le Berry qui s'était échappée, c'est pas échappée, qui s'est perdue dans ce bois et qui a été retrouvée, à moitié mangée par les bêtes de la nuit. Et je lui ai dit en plus le dédé mon père était donc, savait ni lire ni écrire. Et sa mère, qui était Dame Pipi à Orly, où je passais mes vacances dans les chiottes d'Orly, et sa mère, et donc lui communiquait en disant, ben voilà, elle a été mangée parce qu'elle s'est échappée et comme elle ne se souvenait plus, où elle est... enfin, elle s'est perdue dans la. Et donc je disais à Marguerite, je dis tiens, je vais te montrer une lettre que mon père a, écr... a envoyée à sa mère, alors qu'il ne sait pas écrire, et c'est complètement une lettre phonétique, quoi, un peu comme hey. C'est phonétique. Elle disait, je dis, ça pourrait être ça, finalement, cette femme qui se souvenait plus de ce qu'est le communisme. Puisque c'est comme elle était perdue. Était, et c'était ça, le camion. C'est une femme qui essayait de retrouver la mémoire de cette passion qu'elle avait eue pour le communisme. C'est pas Edgar Morin qui raconte l'histoire. Edgar c'est ça. Voilà. ça. Edgar ouais. Morin. Ouais. Ouais. voilà, ça voilà. me revient. Edgar ouais. Morin. Ouais. Oui, et il était souvent dans, dans la partie de Rue Saint-Benoît.